C'est fini, Octopus. À moins que t'aies l'intention de lâcher une bande de Nova Synthézoïdes. Et ça, ce serait... Oh. Je vais enfin pouvoir me venger. Attends. Il a raison, Scarlett. Quelques minutes de plus n'y changeront rien. Il doit te dire la vérité. Parle pendant que tu en es encore capable. Tu étais censé être la toute première tentative d'Hydra pour créer un soldat au pouvoir d'Arachnid, Scarlett. Il n'obtenait aucun résultat. Arnim Zola n'avait pas le choix, il a été obligé de s'associer avec moi. Alors tu l'as aidé? Mieux que ça. J'ai revitalisé l'approche simpliste de Zola grâce à mes élégantes découvertes biologiques. Zola t'a peut-être donné naissance, mais c'est moi qui t'ai perfectionné. Tu es mon plus grand chef-d'œuvre. Oh, il est plutôt réussi, c'est vrai. Dis-lui la vérité, Octopus. Toute la vérité sur ses origines. La vérité est toute simple. Toi, Scarlet Speeder, tu as un passé unique et tout à fait remarquable. Et quand tu le connaîtras, toute ta personnalité en sera bouleversée. Alors vas-y, parle. Dis-moi qui j'étais, qui je suis. Hélas, tu ne me croirais pas si je te le disais. Mais la preuve de tes origines, ainsi que tout ce que tu cherches, se trouve sur l'île d'Hydra. Alors tout a disparu. L'île s'est perdue au plus profond de l'océan, elle est détruite. Et pourtant l'île a survécu, tout comme Zola lui-même. C'est lui qui possède toutes les clés de ton passé, Scarlett. Je suis venu ici pour récupérer le résultat de mes recherches et j'ai découvert que, comme ta propre existence, Arnim Zola s'en était emparé. Il est en bas, Scarlett, avec les réponses à toutes les questions que tu te poses sur ton passé. Je crois que tu mens. Vraiment ? Et tu as quand même l'intention de détruire l'unique personne qui peut te conduire vers la vérité. Tu vas m'y emmener, tout de suite! Scarlett, je ne peux pas te laisser faire ça! C'est toi qui m'as dit que la vérité était plus importante que la vengeance. Emmener un super méchant vers une forteresse de destruction ensevelie sous l'eau n'est pas la solution! Dommage pour toi, Spidey. C'est mon voyage, pas le tien. Scarlett, attends! Je ne veux pas déranger tes projets personnels, mais il faut que je les arrête. Octopus a toujours un mobile caché. Si jamais il a accès à ses recherches et à la technologie d'Hydra, plus rien ne pourra l'arrêter. Oui, les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, n'est-ce pas? Alors vas-y. Je vais prévenir notre équipe. Oh, tu as dit notre équipe? Ça veut dire que tu vas te joindre à nous? On verra ça quand on aura arrêté Octopus. Oh, ça pique! Désolée, excuse-moi. Mais tu n'as pas de sous-marin? T'inquiète pas, j'ai des ressources. Quels que soient tes plans, Octopus, je serai derrière toi.